Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour vous montrer une des constructions que j'ai fait. C'est vraiment une construction de fou les amis, j'espère que vous allez vraiment aimer ce contenu. En tout cas n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo pour me dire vos avis sur cette construction. On va passer directement à la construction en question. Vous avez pu voir dans le titre, c'est Nuketown, donc j'ai refait la map Nuketown de Call of Duty sur Fortnite. Donc vous allez pouvoir voir un peu hein, les détails que j'ai fait. Donc là on peut voir directement que je suis sur le rond-point, enfin le rond-point, le centre de la map où il y a le bus et le camion. Avec ici la voiture hein, derrière laquelle on pouvait se mettre pour jouer. Alors d'ailleurs ce que je vais faire c'est que hop, je vais prendre une arme. Alors je vais prendre la SCAR, hein. Hop, voilà. Au moins on sera, voilà comme ça c'est beaucoup plus sympa. Voilà donc vous voyez on peut vraiment jouer dessus, hein. J'ai carrément mis des spawns aussi hein, dans la map, vous allez voir. J'ai mis des spawns dans la map genre ici voilà. Ici il y a 4 spawns, ici il y en a un. Et c'est pareil de l'autre côté. Il y a 4 spawns, là il y a un spawn. Et il y a 4 spawns de l'autre côté là-bas pour faire des games hein. Donc ça va vraiment être sympa quand je vais pouvoir faire des games avec des potes. Donc la map est vraiment terminée là. Il reste plus que l'intérieur à faire de maison. L'intérieur des maisons n'est pas totalement terminé parce que c'est quand même compliqué. Oh j'ai mis un bug là. C'est quand même compliqué à faire. Du coup l'intérieur des maisons n'est pas terminé. Même ce qui est de l'extérieur, tout est terminé. Alors j'ai dû mettre, vous voyez ici, j'ai refait un peu la map en version, je vais pas dire western, mais le sol en fait est en un peu sableux comme ça, un peu sable, un peu couleur sable. Parce que sinon, si je laissais l'herbe, en fait, vous voyez, il y avait des différences de niveau et du coup, ça aurait pas fait super classe. Quoi. Du coup, j'étais obligé de mettre comme ça de la couleur un peu. Un peu orangé comme ça, ça fait un peu comme si c'était de l'herbe sèche en fait. Mais regardez ici pareil, hein. J'ai dû mettre ça, regardez sinon il y avait vraiment une grosse différence de niveau. Donc j'étais obligé de mettre ça. Et donc voilà, donc on va commencer ici. Donc vous voyez ici on a les spawns hein, de la maison jaune. Donc j'ai refait le Nuketown de Black Ops 1, pas celui de Black Ops 2 ou Black Ops 3 ou Black Ops 4. C'est celui de Black Ops 1. Donc ici vous pouvez voir les spawns hein. Donc ici hop, on spawn ici. Là on a l'escalier pour monter sur la terrasse et puis aller dans la maison. Ici normalement on avait une balançoire que j'ai fait avec... les trucs de disco là tout simplement. Là on a un spawn aussi. Alors là il y avait une petite maisonnette qu'on pouvait pas accéder normalement. Ici on a le garage. Là on a hop la maison hein, tout simplement l'intérieur, mais je l'ai pas terminé. Donc là après on peut monter à l'étage qui n'est pas terminé non plus. Vous pouvez voir ici hein, c'est pas terminé. Ici voilà j'ai mis un lit. Ici on peut ressortir par ici pour accéder au balcon. Voilà hop. Ensuite, donc là, on l'a fait. Là, on arrive dans le middle de la map. Vous pouvez voir, hein, c'est quand même cool. Hein. Hop. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un. Hop, allez. Alors, ici, après, on arrive au garage. Ici, bon, l'espace ici est un peu large, j'avoue. J'avoue que c'est un peu large à ce niveau-ci, mais bon. C'est pas trop grave. Si pas ce que je peux faire. Ouais, bah après, ça va faire bizarre aussi. Mais sinon, c'est pas trop grave. Hein. C'est vrai que l'espace ici est un peu long, mais... un peu large, mais bon, c'est pas trop grave. Après, je n'ai pas respecté non plus toutes les dimensions de la vraie map, parce que c'est vraiment compliqué sous forme de carré comme ça sur Fortnite. Donc j'ai fait vraiment ce que je pouvais en fait. Donc ici, on a un autre spawn, hein, le spawn de la maison bleue, avec aussi une petite maisonnette ici qu'on ne peut pas accéder, également ici. Là, ici, normalement, il y avait un genre de petit hangar comme ça, je l'ai remplacé par une grosse pierre, je trouvais ça sympa. Donc je l'ai laissé ça comme ça. Ensuite, ici, voilà, on a la maison hein, tout simplement. On peut accéder au garage aussi par ici. Là on peut monter aussi, hop, on monte ici. Là on a pour aller sur l'extérieur, et ici on a la chambre avec la sortie sur le balcon. Hop, ici on a le panneau Nuketown que j'ai représenté de cette manière là. Voilà, donc j'ai aussi fait tout autour en fait, comme ça j'ai mis des arbustes comme ça pour vraiment montrer qu'il y a une délimitation et qu'on peut pas sortir de la map en fait. Ici on a une maison aussi, mais celle-là on peut pas y accéder dans le vrai jeu. Bon je l'ai refait mais on peut pas y accéder. Ici on a le bus hein. On peut rentrer dedans, dommage qu'on peut pas passer dedans carrément comme dans Nuketown, mais bon c'est pas trop grave. Hop voilà. Donc ici on a le garage de la maison jaune. Et puis là vraiment on a fait le tour hein, je pense de la map. En tout cas dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve qu'elle est vraiment superbe cette map. Bon et vous voyez j'ai encore laissé quelques objets ici pour faire l'intérieur des maisons, parce que ça ce n'est pas fini, mais bon je le ferai, il n'y a aucun souci avec ça, je le ferai pour faire des parties entre potes, ça peut vraiment être sympa. Mais en tout cas voilà, après j'ai remis aussi des maisons ici pour vraiment faire la continuité de la map, hein. Normalement il y a des maisons par ici, mais bon c'est pas vraiment la map en elle-même.
Donc voilà, en tout cas, je pense que la vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette construction vous a plu. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir vos avis. Et donc voilà, en tout cas les amis, c'était Kardex. Proposez-moi aussi si vous voulez d'autres constructions sur Fortnite ou quoi, proposez-moi dans les commentaires. Je les ferai, il n'y a aucun souci avec ça si c'est pas trop dur et si j'aime bien la faire. Donc voilà, en tout cas les amis, c'était Kardex. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Kardex, salut à tous.